Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez voir arriver maintenant sur le terrain central les légions romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, début du 1er siècle. Donc ici, on a un contingent qui va être organisé avec deux légions différentes, la légion 6, Victrix, et la légion 5, Aludae. À l'avant de la troupe, vous pouvez observer les porte-enseignes, les deux signifères. C'est eux qui vont donner la direction, les indications sur le champ de bataille. Vous avez également à côté d'eux, avec la crête transversale, le centurion, qui est reconnaissable également au harnais qu'il a sur la poitrine et qui arbore toutes ses médailles. Et à l'arrière, ainsi que dans les rangs, vous verrez deux soldats qui sont équipés avec un bâton qui se termine par une boule. Ici, vous avez les optios, qui sont des sous-officiers. Optio qui signifie choisi. Le centurion, lui, a dans la main un sceptre de vigne. C'est ce qui va lui permettre de transmettre les ordres et surtout de se faire respecter, en donnant quelques coups sur les soldats réfractaires. Au niveau de l'équipement pour cette armée romaine du 1er siècle après Jésus-Christ, vous pouvez remarquer déjà l'équipement au niveau des casques, des armures. Ce n'est pas uniforme. Hein,